messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 25 janvier 2023. Il fait un petit peu froid, mais tout va bien. Au contraire, ça ravigote. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'adolescence. Alors, le thème du jour, l'adolescence, une crise, une transition ou un changement. Alors, si vous avez des questions, des témoignages, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, l'adolescence, cet âge transitoire assez rude, que ce soit pour les parents ou pour les ados. On n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte. On est entre les deux. On se cherche, on se découvre, on vit des montagnes russes au niveau émotionnel. Alors, en tant que parent, comment accompagner pendant cette période? Comment traverser les grandes et petites crises? Comment mieux communiquer et apaiser les conflits? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Kauter Mazous, vous êtes pédopsychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec joie. Avec nous aussi, Wahida Selimchef pour sa rubrique We Share. Oui, bonjour Mounia. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Il fait un peu froid. Oui, sincèrement, j'ai un petit peu froid c'est aujourd'hui. Vrai, ça s'est bien rafraîchi, mais ça fait du bien, alhamdoulilah. Ça nous a manqué. Exactement. Enfin, on n'a plus cette sensation. Ça fait quelques années, oui, qu'il fait assez chaud, où on a même délaissé les gros pulls. Exactement. Bien chauds. Oui, et c'est ça vrai. Nous manque. Il était temps. Il faut profiter aussi et aller à Chéléa pour profiter de la neige et profiter de la pluie aussi. Moi, j'aime bien c'est marcher vrai. Sous la pluie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore ça. Ça fait du bien, c'est vrai. Voilà. Donc, on entame le sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'adolescence. Alors, comment définiriez-vous l'adolescence, docteur? L'adolescence, c'est un phénomène physiologique. Certains sont plus à l'aise avec des définitions chronologiques. Oui. Le maître repère du début de l'adolescence, c'est la puberté. Donc, dès qu'on est pubère, on rentre déjà dans l'adolescence. Sa fin est par contre un peu floue parce qu'elle dépend de l'indépendance sociale et l'indépendance financière qui se diffèrent d'une société à une autre. L'adolescence est un moment de changement radical sur le plan physiologique, physique, psycho-affectif, sexuel, cognitif et social. D'accord. Donc tous ces changements font partie de l'adolescence et séquiront cette période assez critique et sensible. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'adolescent est en phase de deuil en quelque sorte parce qu'il abandonne un petit peu, il dépasse un peu l'enfance et puis ses rêves d'enfance, son corps d'enfant aussi, il y a beaucoup de changements. On peut dire que c'est une période de deuil aussi pour l'adolescent? Tout à fait. Mmh. Surtout, c'est la psychanalyse qui est à l'aise avec cette idée de deuil. Donc, le deuil, c'est toujours par rapport à une perte. Et l'adolescent vit en effet plusieurs pertes. Donc, la perte, premièrement, de son corps enfantin et de son statut enfantin. Et la perte aussi des images idéales de ses parents. Ils étaient toutefois les parents idéaux, donc les protecteurs. Les omniprésents, les omniscients, et à un moment donné, il y a cette rupture de cette idéalisation. Il y a aussi la perte de la dépendance à ses parents, parce qu'on veut à la fois être indépendant et en même temps, on ressent le besoin d'être toujours attaché. De rester un petit enfant. Tout à fait, avec ses parents. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles, Wahida, de ton adolescence? Oui. On va essayer de... Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. En fait, en préparant l'émission, j'ai dit peut-être que je ne suis pas normale. Je n'ai pas eu de crise. Le seul souci que j'ai eu, c'était un problème de peau qui a duré une toute petite période. Ça a été peut-être 10 à 15 jours. Mais comme j'avais raconté ce matin, j'ai eu des rougeurs sur mon visage. Et puis, j'ai dû les traiter et c'est parti. Mais je n'ai jamais fait de crise, je n'ai jamais contredit mes parents. Est-ce que je suis normale, docteur? Mais justement, ça ouvre le débat sur la question. Est-ce que tous les adolescents font ce qu'on appelle la petite crise ou la grosse crise, la grande crise, comme je l'ai dit, d'adolescence? Est-ce que c'est normal qu'un enfant ne fasse qu'un adolescent ne fasse pas de crise? Oui. En vérité, il y a beaucoup de choses à redéfinir dans le concept de la crise d'adolescence. Mmh. La société moderne, algérienne ou autre, elle s'attend forcément à ce qu'un adolescent fasse une crise. La vérité est que
on est un peu dans le catastrophisme et dans l'alarmisme. Finalement, si on souvent on a des préjugés par rapport à cette situation, par rapport à cette période. Souvent, quand on a un proche qui a un enfant qui est en période d'adolescence, qui est adolescent tout simplement, qui est dans cette période-là, qui rentre dans l'adolescence, on se dit ça va, ça se passe bien. On dit tout de suite que forcément il y a un problème, forcément il y a un souci, que ce soit avec les parents qu'avec avec l'enfant. Donc on a souvent ces préjugés-là dès qu'on entend qu'une personne proche ou un ami ou nous dit oui mon enfant il a tel âge, ah ça se passe bien l'adolescence, la crise, tu y passes ou tu y passes pas. Exactement. En fait, cette société justement s'attend à ce que l'adolescent fasse une crise. Autrement, il n'est pas normal. Et aussi, il y a même aussi cette idée où carrément on s'attend à ce qu'il refasse une crise plus tard, une crise ultérieure, s'il refoule cette violence qu'il n'a pas encore faite. Oui, c'est vrai, on se dit, il n'a pas fait sa crise d'adolescence, peut-être qu'il va la faire à la trentaine, quarantaine, ou voilà, exactement. Oui, la vérité est que, en fait, si on revient à l'idée étymologique et à l'origine du mot crise, il tire ses origines du mot latin médiéval crisis, qui a été emprunté par la médecine pour décrire une aggravation d'un état pathologique. Donc, d'accord, si on se fie à cet usage historique du mot, on est forcément dans, on va conjuguer l'idée de la crise à une idée pathologique et à une catastrophe. Et il me semble qu'il est peu inconvenant d'associer et de lier de l'adolescence à une problématique. Oui. Il est vrai qu'il s'agit d'une période critique, c'est une transition, transitoire. Oui. Mais il est très peu inconvenant d'associer ce passage de vie à un problème. Donc il faut mieux éviter de dire crise d'adolescence parce que ça n'arrange pas les choses. Enfin, on va dire processus d'adolescence. Voilà. Oui. Mais la crise d'adolescence proprement dite existe aussi. Existe et c'est dans le cadre pathologique. Exactement. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant fait une crise d'adolescence justement? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant fait une crise pathologique, on va dire, ou qu'un autre ne fasse pas de crise? Quels sont les facteurs? Je vous rejoins sur cette idée que, d'abord, c'est un phénomène inconstant, c'est-à-dire que pas tous les adolescents sont censés faire une crise d'adolescence. Ça varie selon les cultures, les sociétés, et encore selon l'âge aussi. Et le début d'adolescence n'est pas comme le milieu d'adolescence. Plus dur, le début? C'est beaucoup plus dur, oui. Même le pronostic de certaines pathologies, quand ça commence au début de l'adolescence, c'est encore plus sombre. D'accord. Donc dans le processus, le milieu, c'est là où ça commence à s'apaiser. On peut dire ça? Oui, parce qu'on est déjà à la sortie de l'adolescence. D'accord. Et les facteurs qui peuvent être en jeu par rapport à la crise d'adolescence, ça peut être des facteurs individuels et comme ça peut être des facteurs environnementaux. Individuel, on va parler précisément d'une fragilité ou d'une vulnérabilité psychiatrique, donc avec des antécédents psychiatriques soit parentaux ou familiaux ou collatéraux, ou bien environnementaux, par exemple si l'environnement familial n'est pas serein, conflictuel, belliqueux, violent, par exemple là où il y a une rupture scolaire. Il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, la précarité aussi du milieu social joue un grand rôle. D'accord. Donc, il faut, dès la petite enfance, avoir plutôt... Travailler ça dès la petite enfance, communiquer, absolument, rester toujours dans la bienveillance, ce genre de choses. Absolument. Toujours la communication avec l'enfant, essayer de parler à l'enfant le plus possible, ne pas être... dans son petit coin, on va dire, et tout le temps être derrière l'enfant pour le remettre dans le droit chemin. Oui. Il faut respecter en fait ce processus. Et il faut aussi savoir faire des compromis. En tant que parents, nous devons accepter faire le mauvais rôle, comme on dit à nos parents dans les consultations. Il faut accepter qu'ils nous voient de la sorte, un peu vétillard, un peu despotique, un peu autoritaire. Il faut savoir être ferme
mais en même temps pas très autoritaire. Donc avec souplesse aussi, encadrer les règles et les affirmer aussi. Et l'adolescent aussi attend qu'on lui donne des limites, absolument, c'est clair. Absolument, il en a besoin. Oui. Il en a besoin parce qu'il est tellement dans le détachement, on dit qu'un adolescent flotte. Oui. Il ne sait plus quoi faire et il s'attend à ce qu'il y ait des repères pour le ramener sur le sol, ce qu'on appelle l'insoutenable légèreté de l'être. Donc c'est une légèreté mais qui est tout à fait insoutenable. D'accord. Alors ce que je vous propose de suivre, un reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim, et on revient tout de suite. L'adolescence est considérée comme une phase de transition qui s'étend de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Une période durant laquelle l'adolescent change, se transforme. Certains passent à travers cette période sans trop de dommages, alors que pour d'autres, c'est la crise. Le terme de crise d'adolescent désigne un ensemble de symptômes ou de comportements qui sont marqués par des attitudes d'opposition ou de défi par rapport aux parents, des comportements excessifs et des sauts d'humeur. Ces comportements sont souvent... ils accompagnent le passage et la transition entre l'enfance et l'âge adulte, entre 13 et 18 ans. Et en général, d'ailleurs, beaucoup de parents appréhendent le passage, cette période entre 13 et 18 ans. Et cette période, donc, ils sont déjà dans une appréhension et dans une anticipation. Et ces manifestations sont expliquées par la métamorphose psychologique et corporelle, c'est-à-dire la transformation physique et psychique que connaît l'adolescent, c'est-à-dire toutes les transformations physiques, c'est-à-dire les caractères sexuels secondaires, la voix, la poitrine, des choses comme ça, qui vont bouleverser. L'adolescent ne va plus reconnaître son corps et ça va bouleverser la vie de cet adolescent. Mais c'est moi, chez les parents, mère de chagrin car les parents, on va dire le haouïa, après, les parents, ils vont gérer. Certains signes évoqueraient cette période de transition, car le comportement de l'enfant devenu adolescent va changer. Il prendra des décisions impulsives, il développera un attrait pour la prise de risque et perdra de son estime de soi. Il est fragile, il faut donc l'accompagner. Les parents doivent adapter quelques attitudes pour bien gérer cette crise d'adolescence pour qu'elle passe sans conséquences. Il faut que les parents fassent preuve de patience et de cohérence. Donc, c'est-à-dire, il faut que les parents ne soient pas laxistes aujourd'hui et très fermes, très stricts demain. Donc, il faut s'armer, on a dit, de patience. Il faut fixer des limites et bien définir des limites et des règles. Il faut écouter ces adolescents et encourager le dialogue et la communication intrafamiliale qui reste primordiale. Il faut respecter leur intimité et leur espace personnel, leur montrer qu'on les aime et qu'on les aimera toujours. Et bien sûr, se rappeler toujours que c'est juste une passade et que ça va finir par se terminer. La plupart de nos adolescents ont des sentiments mitigés. Et les parents n'admettent pas que parfois une prise en charge psychologique leur est nécessaire pour les aider et mieux les encadrer. L'adolescence est une période très difficile dans la vie des individus qui ont des besoins et des visions différentes. S'ils sont incompris par leur entourage, ils deviendront fragiles et risquent de dévier s'ils sont mal encadrés. Il faut savoir que chez l'adolescent, ce changement peut provoquer une hypersensibilité, un manque de confiance. Et pour y remédier, le jeune va tenter de se définir en tant qu'individu, au sein de la famille d'abord et de la société ensuite. Et c'est durant cette quête de soi que certains, et sans l'encadrement correct de leur famille, vont dévier. Les fréquentations. Malheureusement, dans proportion de cas minoritaires, c'est-à-dire 10 à 15%, ça peut dégénérer et ça peut nécessiter
une prise en charge psychologique adaptée. Par exemple, des troubles de conduite, il y a des prises de toxiques, par exemple, parmi les symptômes qui doivent éveiller notre attention, c'est des symptômes dépressifs, par exemple, une tristesse, des pleurs, une irritabilité, il devient irritable, la fleur de peau aussi. Donc, les systèmes d'ordre, les symptômes d'ordre dépressif, ils doivent éveiller notre attention. Il y a aussi, comme vous dites, la violence, l'agressivité. Donc, cette agressivité, elle peut être auto-agressive ou hétéro-agressive. Il faut pas négliger, tandis que les problèmes scolaires, c'est-à-dire la baisse du rendement scolaire, l'absentéisme, l'indiscipline et les conduites délictueuses. Donc, tout ça, il doit éveiller notre attention. En attendant le passage de cette période difficile, il est important d'encourager le dialogue avec les adolescents afin de détendre l'atmosphère et de leur montrer qu'ils sont importants dans leur famille. Exactement, leur montrer qu'ils sont importants dans la famille. Alors pendant le reportage, nous a rejoint Madame Khadija Bourkendardji, vous êtes coach de vie et de conscience. Bonjour. Bonjour, et bienvenue à vous. Merci, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé en tout Merci cas. Beaucoup. Alors comme on l'a vu dans le reportage, il y a des changements, il y a aussi des changements hormonaux qui peuvent impacter leur humeur, leur... est-ce que ces changements justement hormonaux impactent tant que ça l'humeur des adolescents? Oui, docteur. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de changements hormonaux, le passage déjà de la puberté elle-même, c'est le repère maître de l'adolescence. C'est-à-dire, on accepte mal ce corps d'adulte et cet esprit enfantin qui l'habite. Donc, on accepte mal les formes. De manière extrême. Donc, il y en a qui l'affichent de manière excessive, et d'autres carrément impudiques, et d'autres carrément qui essayent de les camoufler. Et on assiste à des dépressions, à des troubles de conduite alimentaire, etc. Et c'est pour vous dire que le corps est très important pour l'adolescent dans le sens où il joue le rôle d'un instrument. C'est à travers son corps qu'il va verbaliser ses conflits intra-psychiques. Donc, à travers l'exhibition de son corps ou carrément l'auto-agression de son corps. Bien, carrément, jusqu'à l'auto-agression de son Absolument. Corps. Donc, c'est l'un des symptômes de la crise d'adolescence qu'on va dire pathologique. Oui, là, on est dans l'extrême, dans le pathologique, là où il faut vraiment consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Très bien. Alors, je rappelle juste le numéro de téléphone. Alors, aujourd'hui, on parle de la crise d'adolescence en parenthèse ou ce passage justement de l'adolescence. Donc si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, un seul numéro, bien sûr le suivant, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. Alors comment faire pour gérer justement, comment communiquer, comment faire pour gérer le conflit avec cet ado quand il faut lui parler, quand il est un petit peu agressif avec nous, ou quand il veut pas écouter, il veut pas se lever tôt, ou il veut pas forcément manger à l'heure où on décide, nous les parents, de manger. Il en fait qu'à sa tête. Il veut être indépendant. Alors comment gérer ces conflits-là? Comment essayer de communiquer avec lui? Tout d'abord, il faut comprendre que cette crise-là, c'est une manière. Si cet adolescent utilise la colère ou utilise, par exemple, l'ignorance ou le fait de désobéir à ce qu'on lui demande ou à ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que de cette manière-là, cet adolescent qui devient adulte est en train d'exprimer un mal-être. C'est-à-dire que moi, je suis mal à l'aise dans mon corps, comme vient de dire le docteur, et aussi dans mes émotions. Il faut savoir que ces hormones-là, c'est des émotions qui impactent sur cet adolescent qui est entre une phase très difficile, la fin de son enfance et le début de son âge adulte. C'est-à-dire que là, au lieu d'être en affrontation avec mon adolescent, bien au contraire, il faut avoir une communication et beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que je dois détecter à travers ce que dit mon adolescent ou mon adolescente ses angoisses, ses inquiétudes et pouvoir les définir afin de pouvoir l'aider ou l'outiller d'une manière, par exemple, d'habits, d'aller, par exemple, chez un médecin. Parce qu'il peut ne pas le dire directement Exactement. Avec des mots, mais avec un comportement. Exactement. Le comportement, le changement d'humeur, l'expression colérique
que identifient les parents, c'est des outils que utilise mon adolescent pour pouvoir me communiquer quelque chose. C'est des angoisses qui ne sont pas extériorisées automatiquement. Si je n'arrive pas à moi-même les détecter et pouvoir l'outiller d'une manière ou d'une autre, que ce soit habit, que ce soit besoin de communication, d'aller voir un médecin, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir arranger l'image de lui-même, sa perception de son corps, de remédier ou de fortifier sa confiance en soi, automatiquement, ben, on sera en clash et pas en résolution ou en, on va dire, en essayant de résoudre cette crise ou bien vivre cette crise, on va dire. Parce que si on s'outille en tant que parent et on peut améliorer ce changement, on ne va pas dire cette crise, ce changement qui est obligatoire chez chacun de nous à cet âge-là, là, ça sera plus agréable, plus facile à vivre. Pourquoi pas ne pas aller chez le psy avec mon adolescent afin que ce psy-là m'outille moi aussi et que je puisse par la suite l'accompagner pendant cette période. Ok, très voilà. Bien. Donc, quelle est la différence? Est-ce que les garçons et les filles vivent de la même façon la crise d'adolescence? La transition, on va dire, la période de l'adolescence, parce que s'il y a crise ou pas, ça dépend. Donc, est-ce qu'ils vivent de la même façon, docteur, cette période? Non, ils ne vivent pas de la même manière, parce que chaque sexe a ses hormones, et les hormones vont impacter, comment dire, le comportement. Et du coup, chacun a son expression et sa verbalisation, comment il extériorise ses conflits intrapsychiques. Par exemple, chez les garçons, trop testostéronés, entre guillemets, ils ont beaucoup plus la facilité du passage à l'acte. C'est-à-dire, ils sont dans l'agressivité qui est retournée vers l'extérieur. Les actes de transgression, l'irritabilité, les crises de courroux, les colères vraiment spectaculaires. Les portes qui claquent, ce genre de choses. Oui. Par contre, les filles, elles peuvent faire la même chose, mais cependant, elles sont beaucoup plus vers l'auto-agression, c'est-à-dire elles refoulent. Et le dénigrement ensuite, de soi-même aussi. Dénigrement de soi-même, absolument. Et encore plus, utiliser ce corps contre soi-même. Les scarifications, les automutilations. D'ailleurs, même dans les statistiques épidémiologiques des tentatives de suicide, on trouve que les tentatives de suicide chez les filles sont beaucoup plus fréquentes que chez les garçons. En période d'adolescence. D'adolescence, oui. Donc, à ce moment-là, il faut consulter quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Des signes d'alarme. Voilà, c'est ces signes-là. Quand le garçon est vraiment perturbé ou il devient violent même avec ses parents. Enfin, la violence, justement, est-ce qu'elle est juste à la maison ou est-ce qu'elle est même à l'intérieur, à l'extérieur plutôt? Moi, pour moi, plus à la maison, parce que c'est un terrain facile, c'est un terrain familier, c'est une zone de confort. Je vais venir exprimer ou agresser les gens que je connais, ils ne vont pas avoir des réactions contre moi, plus qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, je ne connais pas. C'est-à-dire que je peux éventuellement avoir le revers. Mais à l'extérieur, il y a les amis aussi. Il y a les amis, ceux qui sont zone de confort. C'est-à-dire que je suis habituée, ils sont plus familiers à moi. Oui, je vais baisser la garde et être le vrai moi-même. Mais avec des gens que je ne connais pas, je ne pense pas que chaque adolescent va faire ça de cette manière-là. Après, oui, il y a sûrement des gens qui s'expriment, des adolescents qui s'expriment de cette manière-là, mais le taux reste moindre par rapport aux autres. Oui, plus encore, j'aimerais rajouter que qu'il s'agit réellement d'une zone de confort, mais beaucoup plus on assiste à ce mimétisme et ce désir d'identification au père. C'est-à-dire, il veut ressembler à ses pères, donc il n'a pas intérêt à être à l'encontre de leurs envies ou de leurs attentes. Par contre, les parents, l'adolescent est par définition rebelle contre tout ce qui est despotique, tout ce qui est règle, tout ce qui est autoritaire. Et il faut faire aussi la part des choses entre irritabilité et entre une réelle cassure de l'état antérieur qui peut être un vrai signe d'alarme. D'accord, très bien. Et quand les amis, on va dire, les amis de cet adolescent, quand il a des fréquentations que les parents n'apprécient pas forcément, on sait très bien que si on dit à un enfant, enfin un adolescent, ton ami, je l'aime pas, je préfère plus que tu le fréquentes, c'est là où il va se braquer et il va encore plus résister. Quand les parents insistent, les enfants résistent, les adolescents résistent, donc il va plus résister. Donc comment lui faire comprendre que cet ami n'est pas forcément un bon ami, mais sans rentrer en conflit avec lui? C'est l'approche. Parce que quand on dit non,
C'est-à-dire que non, un an en plus de ça qui n'est pas justifié, c'est-à-dire que je t'ordonne, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu dois obéir. Exécuter, voilà. Tu dois obéir. Cette façon-là, que ce soit avec l'enfant ou avec l'adulte, ça ne marche pas. En public, beaucoup de gens sont rebelles au non, n'acceptent pas ça. Ils vont tout de suite vous contourner et faire ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, si mon approche, ma manière de m'exprimer, l'utilisation de mes mots est plus douce et plus stricte, c'est-à-dire être strict, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être ordonnant, c'est-à-dire que je vous dis de faire ça, vous êtes obligé de m'obéir. C'est une main de faire dans un grand velours en quelque sorte. Exactement, exactement. C'est-à-dire que cette approche-là va venir adoucir, va venir, par exemple, je m'exprime pourquoi cet adolescent n'est pas ne doit pas être dans ton cercle d'amis, ou il n'est pas bien pour ton épanouissement ou pour ton environnement. Ces choses-là, on doit formuler, on doit justifier, on doit sensibiliser et on doit laisser cet enfant prendre une décision. Parce que à travers ça, si on doit lui dire non ou oui, l'obliger à faire quelque chose. Quand est-ce qu'il va construire cette personnalité ? Parce que là, cette crise d'adolescence l'aide, comme disait tout à l'heure le docteur, à s'affirmer, à construire sa personnalité. Mmh. C'est très important de sensibiliser, d'utiliser des mots qui sont plus doux, d'être plus dans une discussion ouverte, de justifier, de donner des exemples, et par la suite, le laisser choisir. D'accord. Alors, on revient un peu sur les symptômes. Quels sont les symptômes exacts où il faut aller consulter un spécialiste, où à ce moment-là, on se dit, non, là, c'est réellement une crise, c'est pathologique, il faut aller consulter. Oui. En général, on dit en psychiatrie que le repère de la normalité pose beaucoup de débats. Donc, qu'est-ce qui est normal par rapport à la normale? Qu'est-ce qui est pathologique et qu'est-ce qui est normal? Voilà. Et, en fait, le repère n'est pas dans la majorité, mais en fait, en soi-même. Donc, le repère, c'est l'individu lui-même. On parle en psychiatrie de la cassure de l'état intérieur. La cassure, c'est-à-dire cet adolescent n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, en consultation, il vient de vous dire « je ne le reconnais plus » ou « je ne la reconnais plus ». Et donc, la cassure de l'état intérieur, de manière générale, doit alarmer les parents. Comment elle peut se manifester, cette cassure, avec l'état précédent? C'est que cet enfant, cet adolescent, par exemple, abandonne les loisirs qu'il aimait. Par exemple, il faisait du sport, maintenant, il s'en désintéresse. Par exemple, il avait un cercle d'amis, maintenant, il a rompu tous ses liens affectifs et sociaux. Mais beaucoup plus quand on est aussi dans la somatisation, ce qu'on appelle les signes somatiques, c'est-à-dire les plaintes organiques. Il vous dit tout le temps et de manière non simulatoire, des maux de tête, des maux de ventre, etc. Ils sont là, bien entendu, c'est pas hystériforme, donc ils sont présents, mais ces plaintes ne sont pas expliquées ou justifiées sur le plan médical organique. Donc là, on doit aussi s'alarmer parce qu'en fait, il y a aussi une statistique qui dit jusqu'à 30% des adolescents qui ont commis une tentative de suicide ont consulté dans les 3 mois précédents chez un médecin généraliste pour des plaintes somatiques. Il ne faut pas vraiment banaliser les plaintes somatiques. Et en plus, quand on parle de cassure de l'état antérieur, on parle toujours de retentissement. S'il n'y a pas de retentissement, on ne va pas s'alarmer, bien entendu. Mmh. Mais le retentissement chez l'adolescent n'est pas le retentissement chez l'adulte. L'adulte, généralement, on va analyser le retentissement sur une sphère beaucoup plus socio-professionnelle, là où il intègre sa personnalité. Alors l'adolescent, le lieu ou le milieu où il s'affirme beaucoup plus, c'est l'école. Donc s'il y a un fléchissement scolaire, je ne dis pas que ses résultats sont bas ou ses capacités cognitives ne sont pas à la hauteur des attentes des parents, parce que chacun s'en cuit. Oui. Mais je veux dire, quand il avait des résultats assez satisfaisants, et d'un coup, et tout brutalement, il y a un fléchissement, il faut s'alarmer. Quand il y a un changement subi. Du jour au lendemain, c'est la soudaineté du changement et son intensité. C'est pour les filles ou pour les garçons? Pour les filles et pour les garçons. Pour les filles, c'est beaucoup plus l'isolement et les conduites alimentaires qui sont perturbées.
Et le changement de style, pardon, style vestimentaire aussi, parce que les adolescents, ils s'expriment. Moi, je n'y vois pas de... C'est pas que je n'y vois pas d'inconvénient, mais je n'y vois rien de pathologique. En fait, changer, il faut accepter qu'un adolescent change. C'est l'essence de l'adolescence, donc on change. Mais comme je viens de dire, c'est l'intensité et la soudaineté du changement. Par exemple, si une fille veut porter un jean déchiré, ça ne fait pas d'elle une adolescente en crise. Oui. Mais par contre, si elle se fait des scarifications ou elle se fait des automutilations, là, on est en train de parler d'un processus pathologique. C'est vrai que les adolescents ont tendance à s'approprier certaines modes, à se mettre... Et puis que les adultes ne sont pas vraiment d'accord avec ça, ne sont pas réceptifs, même s'ils sont passés par là, ils sont passés par la même période où ils n'avaient pas le même look que leurs parents, parce que c'était le look de maintenant, le langage change, tout le comportement change, et je pense qu'il faut l'accepter aussi. Oui, parce que en fait, le changement fait partie de la vie, que ça soit chez l'adolescent ou chez l'adulte. À chaque 9 mois, on change, pour vous dire. Oui. Voilà, naturellement, on change. Et automatiquement, il faut accepter que notre adolescent est en train de changer sur tous les plans, c'est-à-dire émotionnel, énergétique, spirituel, même ses notions intellectuelles. Et ça fait de lui le futur adulte qu'il est. C'est-à-dire qu'il doit passer par cette phase-là. On doit juste pouvoir bien l'accompagner et l'encadrer pour que ça passe avec douceur. D'accord. Éviter toutes les choses, comme disait tout à l'heure le docteur, par exemple, la scarification, le suicide, les accidents, toutes ces choses-là. Est-ce que les parents doivent aussi accepter de passer en second plan par rapport aux amis et accepter aussi de lâcher un peu cette... ce qui n'est plus un enfant, cette future adulte, le lâcher un petit peu, le laisser faire ses expériences, le laisser avancer dans la vie. Bien Il faut sûr. Que les parents fassent un travail bien sur eux-mêmes sûr, aussi. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est important parce qu'ils découvrent autre. Déjà, à partir de 8 ans, l'enfant n'est plus intéressé par ses parents, mais il est plus intéressé par ses amis. Alors là, à l'âge de 15 ans, ou bien un peu plus, il a besoin de découvrir l'extérieur, de s'affirmer à l'extérieur, puisqu'il passe énormément de temps au collège, c'est son univers, et il doit affirmer cette personnalité là-bas. Et les parents, ils doivent bien vivre et bien accompagner cet adolescent. Donc même aux parents, il faut faire un travail sur les parents aussi. Oui, exactement. C'est pour ça que je disais au début, ça serait idéal que ce parent-là, avec son adolescent ou ses adolescents, s'il y en a plusieurs, il va avec chez le spécialiste, le psy, le coach, comme ça pour qu'il puisse s'outiller et pouvoir bien gérer cette situation. D'accord. Alors, on reçoit un appel. Nous avons qui au téléphone? Nous avons un parent aussi au téléphone qui nous appelle. Alors, oui, bonjour. Allô? Non, mais ça, d'accord, on ne dit pas encore. Donc on parlait des parents qui doivent aussi laisser partir cet enfant. Accepter. En fait, en vrai, accepter la situation. Accepter, mais en vrai, ils ne partent pas. C'est juste que c'est un moment de découverte. Je vais découvrir ailleurs que chez moi. Oui. Mais il faut le concéder que ça soit un peu difficile pour eux aussi, parce que en fait, être un parent, c'est aussi être dans l'autorité, et c'est frustrant que sa descendance ou sa progéniture puisse être rebelle au système. D'accord. Donc, il faut aussi comprendre les parents. D'accord. Oui, alors, on reprend l'appel. Pardonnez-moi. Donc, nous avons un parent d'adolescent au téléphone. Bonjour. Bonjour, maman. Ça va? Vous allez bien? Pour le moment, ça va bien. Pas au moment quand je suis pas ça va. Je me suis pas ça va mal. Ah voilà, ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Toute l'histoire. Depuis la rentrée des vacances scolaires, janvier 2022. Oui. Je me suis rendu compte des problèmes de dents. Oui. Ou là, je suis dans l'opposition, il y a eu les mains, mais j'ai dans la main, non? Oui. Malheureusement, on a besoin de blague. J'ai consulté un pédopsychiatre. Psychiatre. Je ne vais pas le donner son nom. D'accord. Il m'a envoyé pour faire des analyses, la latéole, etc. Oui. Un examen à EEG. D'accord. Elle dit, Dieu merci, mais elle va être prise en charge normalement par un psychologue. J'ai consulté deux psychologues, ça ne m'a rien donné. Avec le temps, j'ai constaté que son cas s'est aggravé. D'accord. Ça s'est aggravé qui fait? Quel mal ou le meilleur d'achat avec vous ou d'où qu'il fait? Oui, quelqu'un, comme un sahbi.
ما يحوش عليا دوكا، دوكا انا شغل نشوف فيها نمي انا بابا. ايه ودوكا كيفاه؟ دوكا راهو بلا شونجمون. وي يحي قراك سي با كيكون كي سابسونت لابسونتيزم خاطر الكوتي تاعنا هنايا باش نقول لك الكوتي هنايا هنايا انا بابا عمات ولا ما يهبش. باش كي كون تدير دار مالو كي يشوفوا خوالو ولا تشوف الكومبورتمون تاعو حاجه واحده اخرى. الو غير معاكم انتوما؟ لي بارون. ايوا انا كان انا كان انا كثر من فاهم. وي. داكور. والله راني حير واش ندير؟ والله قال من الصبح انا نشوف شي حد اسمها السيكيرتير معاكم. السيكيرتير وي. ما دا بيان. اون فا ايسيي دو ريبوندر ا فوك كيستيون. Elle va donner son avis. Voilà. Il vous a donné un traitement. Donc... Un mois. Allez, un mois. Qui m'a dit le psychologue? Il y a pas. Il a dit une chose. Zixi, 25 jours après, je vais travailler avec lui. Donc, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de traitement. D'accord. Alors, il y a quel traitement? Le traitement est normal. Je me suis déplacé en psychiatre. Je suis dit, je suis là, je n'ai pas dit trop d'une fois. Je n'ai pas dit trop d'une fois. Je n'ai pas dit trop d'une fois. Donc la pédopsychiatre, elle va vous orienter, on va essayer de vous orienter. C'est normal, vous vous sentez perdu, c'est tout à fait normal, on va essayer de répondre à tout ça avec la pédopsychiatre. Merci encore pour votre appel et pour votre témoignage. Alors restez en ligne, en régie, on va vous parler. D'accord. Merci. Merci à vous. Oui, il est en détresse, le papa. Ça, oui. Ça se sent, ça se voit, oui. Ça. Oui. C'est il est triste. Oui, oui il est très triste. Oui. Parce qu'il est très attaché. Ce que je viens de dire, juste avant l'appel, oui. Heureusement, c'était synchro. Oui. Alors, il faut aussi comprendre la position des parents. Sauf que, en tant que pédopsychiatre, on est méticuleux et on est sensible par rapport à certaines nuances et certains excès. Par exemple, le fait de rompre son lien parental est en quelque sorte normal, dans le sens où l'enfant passe à un autre plan de priorité. Ah, il veut avoir des amis, il s'identifie à ce groupe de pères ou carrément il change d'idéaux. C'est-à-dire même s'ils ne sont pas ses pères, son idéal peut ne pas être son père, mais beaucoup plus son prof, un joueur de foot, une star quelconque. Donc il faut accepter qu'il y ait cette transition d'image idéale. C'est tout à fait normal. Maintenant, à quel point ça peut déranger? Ça peut être pathologique chez le parent, comme ça peut être pathologique chez l'enfant. Il faut dire ce qu'il en est. Il y a certains parents qui sont tellement dans le contrôle ou tellement dans l'attachement, que c'est eux-mêmes qui font la crise. En fait, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. La crise d'adolescence, c'est un terme entre guillemets péjoratif qui est utilisé beaucoup plus par les institutions scolaires, les parents et les magazines à gros ouvrages. Donc, finalement, la crise elle-même, c'est eux qui ne l'acceptent pas parce que c'est difficile aussi de gérer un rebelle, comme dans certaines politiques. Par contre, ça peut être aussi pathologique et morbide chez l'adolescent. Quand ce lien est rompu, mais de manière excessive, par exemple, qui frôle la limite de la persécution, par exemple. Et là, l'intérêt d'analyser le comportement, quand on analyse le comportement, on analyse les circonstances, le comment et le pourquoi, le quand et le où, on va comprendre cet adolescent. Pourquoi il a rompu ce lien? Est-ce que parce qu'il préfère jouer avec ses amis et pas avec vous? Est-ce que parce qu'il veut passer la nuit chez son ami et pas à jouer aux échecs avec son père? Ou parce qu'il est persécuté et il se sent ensorcelé par vous? Apparemment, ce qu'on me dit en régie, parce qu'on lui a beaucoup parlé, il veut plus être proche de ses grands-parents. Il arrive plus à communiquer apparemment avec ses grands-parents. Peut-être parce que la communication est plus souple avec les grands-parents. Mm-hmm. Attention, il faut faire très attention par rapport aux adolescents. Ils s'attachent aux personnes qui sont un peu plus souples et qui sont beaucoup plus ouvertes. Mm-hmm.
aussi facile, qui sent laxiste un peu, et qui donne de l'argent, et qui ne cherche pas après les horaires de sortie ou de rentrée. Donc, il faut aussi savoir cadrer. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège. Ce que j'invite le père ou les parents qui nous assistent maintenant, et c'est de leur dire, analyser le comportement, son comment et son pourquoi, et quand est-ce que c'est apparu. Oui. Et le papa, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Il faut vraiment reconsulter, avoir un deuxième avis pour comprendre, parce que la le traitement, je ne peux pas être antidéontologique et critiquer la conduite d'un confrère ou d'une consœur. Peut-être elle a vu une anxiété qui était pathologique et qui nécessite un traitement, mais généralement, l'anxiété, chez l'adolescent, elle est normale, elle est là. Les assises du moi et du surmoi sont très instables, donc c'est un terrain en pleine mutation, c'est normal qu'il soit anxieux. On préfère beaucoup plus parler, dialoguer, même dans des dépressions sévères, on préfère d'abord les psychothérapies au traitement. Rassurer le papa et lui dire que c'est tout à fait normal que son fils ne veuille pas qu'il ne soit... C'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, voilà, c'est parce qu'il ne vous aime plus, mais parce qu'il est passé à autre chose et passé temporairement à d'autres priorités et qu'il a le droit de découvrir les autres pour se découvrir lui-même. D'accord, c'est juste une passade. Ils vont revenir. C'est dur pour les parents de voir leur enfant. Quand il était tout petit, il était tout le temps une histoire, un jeu, un truc, et puis on était là, non, s'il te plaît pas ce soir, je suis fatiguée. C'est souvent le cas, et exactement. À ce moment-là, on ne se rend pas compte, à ce moment-là. Donc, si j'ai un conseil personnellement à dire, surtout, c'est profiter de vos enfants tant qu'ils sont petits. Parce qu'une fois qu'ils grandissent, ça va... L'idée de s'approprier, elle est normale. C'est ce qu'on disait, il faut accepter aussi de passer en second plan. Oui. C'est pas toujours évident. Alors, on va parler d'un autre problème chez les adolescents, souvent les problèmes de peau. Avec Wahida Selimchi, dans sa rubrique Wichia, Wahida va nous parler des petits problèmes de peau. C'est vrai qu'à l'adolescence, on a souvent cette acné juvénile qui n'arrange pas forcément les choses. C'est tout de suite après le jingle. Alors, Wahida. Oui, on a parlé de l'adolescence, des problèmes. Il y a un problème aussi qu'on observe souvent chez les adolescents, c'est la puberté. Elle marque souvent le début des éruptions cutanées, non seulement quand on les a sur le visage, mais aussi le dos et les bras. Souvent, les bras, le nez, donc ça crée un certain complexe. Et on va demander conseil à nos médecins généralement pour nous donner un traitement. Il faut toujours suivre un médecin. Il ne faut pas aller et tomber dans le piège de tout ce qui est l'automédication. Et ça, c'est très dangereux, surtout quand il s'agit de son épiderme. Il est dangereux. Voilà, n'utilisez pas des marques ou des produits que vous trouvez et que ça a marché peut-être chez Mounia. Ça ne va pas spécialement marcher sur moi. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner une petite routine pour les adolescents pour prendre soin de sa peau. Au naturel. Tout le monde peut les avoir chez soi. Donc, on commence toujours par la règle numéro 1, c'est nettoyer sa peau. Donc, peu importe le type de peau, il faut toujours la nettoyer parce que quand on est adolescent, on oublie certaines règles d'hygiène. Il faut le dire. Il rentre de l'école, fatigué, ils mangent, ils vont dormir directement. Donc, il faut apprendre à nos adolescents que la peau, elle peut accumuler tout au long de la journée de la poussière, de la transpiration. Et parfois, on a aussi du sébum qui sort. Donc, si on le garde pour le lendemain ou le surlendemain, là, ça va empirer encore et on va avoir d'autres rougeurs et d'autres boutons qui vont apparaître. Il vaut mieux utiliser des huiles douces telles que... on a l'huile d'arbre à thé. Donc, on le trouve de plus en plus en vente. L'huile essentielle de l'arbre à thé, c'est très efficace pour pas mal de bobos. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit... je ne dirais pas une lingette, un coton, parce que moi j'utilise des lingettes lavables, c'est pour ça que j'allais dire lingettes. Voilà, les lingettes lavables, c'est super, oui. Voilà, j'ai un bip sur ma bouteille, enfin je mets un peu sur mon visage, sur les rougeurs, les parties où elles sont rouges ou tout simplement là où j'ai des boutons. Sinon, on peut nettoyer sa peau avec de l'eau de rose. On a tous utilisé ça lorsqu'on Mais s'assurer aussi que c'est de l'eau de rose réelle, pas chez les cosmétiques. Non, pas celle. Il faut aller chez les artisans. Moi, je conseille...
Tu connais mon amour oui, pour les artisans. C'est pour ça que je... Voilà, il faut toujours aller vers les artisans. On a de plus en plus de femmes qui les qataou le waqt fi darhom. Voilà. Donc il faut aller chez elles. Il y a les hydrolats de fleurs qui sont très importantes aussi. En fait, après avoir nettoyé sa peau, il faut toujours pchiter, mettre un peu, moi je dis un pchit, pour tout simplement rafraîchir son visage. Deuxième point très important, c'est hydrater votre peau pour l'apaiser. La peau de l'adolescent, elle est importante, il faut qu'on l'hydrate. D'accord. Parce que souvent on se dit, il est ado, il n'a pas besoin de ce genre de soin. On va voir ça une fois qu'il va être adulte, mais même en étant adulte, si on n'a pas le pli, si on n'a pas pris le pli. Il faut commencer le plus tôt possible. Déjà les enfants, quand ils sont jeunes, on les hydrate aussi. Voilà. Donc, il faut continuer. Il faut continuer, exactement. Mmh. Donc les adolescents, ils ont tendance souvent à avoir la peau grasse. Vous avez remarqué? À un moment donné, tout le monde commence par avoir son visage qui brille. Donc, il faut, même la peau grasse, elle a besoin d'être hydratée. Souvent, on se trempe et on a cette idée reçue, on se dit non, mon ado, il a une peau grasse, donc il n'a pas besoin de soie. Sa peau, elle s'hydrate naturellement. Non, on a besoin d'hydrater aussi la peau grasse. Donc, il suffit de choisir une bonne crème. Si elle est naturelle, c'est encore mieux, à base d'aloe vera. Oui. Voilà, donc maintenant c'est disponible. Vera, c'est bon, c'est vrai. Voilà, et on peut l'acheter en plante aussi. On récupère le liquide qu'on trouve, le gel qu'on trouve à l'intérieur, et on le met sur le visage. Vous allez voir que ça hydrate beaucoup le visage. Il faudra mieux le faire le soir. Donc les soirs, ce genre de soins, il faut appliquer le soir. Mieux. Voilà, ça absorbe mieux et comme ça on évite le contact avec le soleil. Exactement. Donc traiter les imperfections des boutons. Qu'est-ce qu'on a dit hier, Mounia? Il ne faut pas Il ne faut pas les percer. Exactement. Ça laisse des traces. Voilà. Exactement. Parce que souvent, on est complexé dès qu'on commence par avoir les premiers boutons. On dit, surtout les boutons juvéniles. Oui. Et on va directement face à un miroir et on les perce. Et ça, c'est très mauvais. Moi, j'avais ma grand-mère, elle me disait quelque chose. Si tu perces un bouton, tu vas te retrouver avec une dizaine autour. Et du coup, ça faisait peur. Je disais, j'ai du mal. Imaginez 10. Oui. Donc voilà, il faut dire ça à vos enfants. Dites-leur, si vous allez percer un bouton, vous allez vous retrouver avec 10 autour. Autour, ils vont avoir peur. En tout cas, ça a marché avec moi. Donc, afin de réduire l'inflammation et éviter les marques de cicatrices, il est conseillé d'appliquer quotidiennement, encore une fois le soir, l'huile de ricin. Vous avez vu, elle est épaisse. On se dit oui, mais peut-être elle est bien pour les cheveux. On a tendance à l'utiliser plus pour nos cheveux. On oublie qu'elle est excellente pour la peau. Donc, elle resserre les pores et empêche les bactéries d'y accéder. Très bien. Voilà, c'est grâce à son épaisseur. Donc, faut les utiliser chaque soir avec un petit coton. Il faut bien se rincer, nettoyer ses mains, nettoyer sa peau d'abord. Machine troll l'école. Et parce que ma mère m'a demandé d'utiliser cette crème ou autre, je vais dire allez, pour faire plaisir à ma mère, je vais le mettre et Donc, faut faire très attention. Dernier petit conseil, c'est protéger votre peau par rapport au soleil. On oublie ça L'écran total, c'est important. Voilà, il faut mettre votre écran total. Demandez conseil à votre médecin, à un dermatologue, parce que c'est très important. Chacun a un produit qui est adapté à son type de peau. Voilà, il y a aussi en ce moment des écrans avec une... ils sont teintés. Écran total d'une couleur teintée. Parce que vous avez remarqué qu'à partir d'un certain âge, on veut camoufler nos imperfections. Et si on va mettre un écran total, on peut apparaître fade ou autre. Donc maintenant, il y a des écrans teintés adaptés à notre type de peau. Donc on les applique. En général, il y a la mention invisible qui fait que ça n'apparaîtra pas. Voilà. Exactement. Ça ne sera pas plâtré. Voilà, c'est parce qu'on a tendance à se dire ah, il va me blanchir ou autre. Non. Oui. Maintenant, il y a des teintés et des invisibles. Qu'on peut très bien les utiliser et ça protège notre peau des UV parce que si on est exposé aux UV, on va encore avoir d'autres boutons et d'autres rougeurs. Ouais. Bien sûr, il faut toujours accompagner tout ça par une bonne nourriture. Oui, une bonne alimentation. Équilibrée, pas évident. Voilà, il faut bien s'hydrater, il faut beaucoup boire. Éviter les couches de maquillage. Est-ce que vous avez remarqué que même les garçons s'y mettent? Ah bon? Oui. Ils mettent des fonds de teint. On a vu des produits, des marques qui sont dans la promotion de ce genre de produits pour camoufler leurs boutons. Malheureusement, c'est là où ça aggrave la situation. Exactement. Les boutons, les fonds de teint, ça bouche encore plus les pores. Et ça fait une plaque aussi. Oui. Ça devient comme un vice. Moi-même, ça m'arrive de passer devant des écoles, des lycées, des CEM. Je vois des garçons avec des tubes qui les font sortir un miroir. Il met sur son bouton et il est en train de le cacher. Pour masquer le bouton. Voilà. Et en fait, ça devient comme un vice. Après, maintenant, si on commence par des fonds de teint maintenant, plus tard, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas apparaître avec des imperfections? Surtout,
très important pour les filles, même pour les garçons, ceux qui sont en train de mettre des fonds de teint, démaquillez-vous. Oui. Il faut se démaquiller. N'allez pas dormir comme vous êtes rentré, parce que c'est important. Parce qu'en plus des boutons, on aura des points noirs. Exactement. Et, oui. Et la combinaison des deux, c'est pas jojo. C'est pas beau du tout. Voilà. Et il y a un détail important qu'on oublie, c'est changer son oreiller. Il faut toujours sortir d'oreiller. Il faut vraiment le changer. Au moins chaque... Les drapettes d'oreiller, oui, il faut absolument les changer. Chaque deux jours, il faut les changer, sinon... Ça va accentuer nos problèmes de peau. Exactement. Et pour les filles ou les garçons qui ont les cheveux lents, s'attacher les cheveux quand on dort, parce que le sébum qu'il y a dans les cheveux, et si on met la joue dessus, ça va créer des réactions et on risque d'avoir aussi des boutons. Exactement. Voilà. Donc, vous allez voir si vous allez adopter ou adapter cette petite routine, vous allez voir qu'il va y avoir du changement. Eh ben, très bien. Merci, Wahida, pour toutes ces astuces. J'espère qu'il y a des adolescents à l'écoute ou des parents qui réussiront à faire passer le message délicatement. Alors, petits adolescents. Alors, il y a souvent des conflits avec les adolescents, mais il y a aussi des conflits par rapport, comme tu le disais, à la malbouffe. Oui. Ils ont un comportement qui n'est plus le même. Ils dorment beaucoup le matin, ils ne sont pas d'humeur à se réveiller. Ils n'ont pas forcément envie de manger la même chose que nous. Ils préfèrent la malbouffe, ils préfèrent les hamburgers, les frites et ce genre de choses. Tout ce qui est fast food. Donc, est-ce qu'il faut le laisser dormir le matin quand il n'y a pas de cours et tout ça? Ou est-ce qu'il faut être là? Non, tu dois te lever parce que c'est l'heure de se lever et c'est comme ça. Est-ce qu'on doit réprimander par rapport à ça ou pas? Moi, je trouve que ça dépend. Vous avez dit, s'il n'y a pas cours, pourquoi pas? Une petite grasse matinée, ça va les aider. C'est important, le sommeil règle beaucoup de choses et aide à équilibrer beaucoup de choses dans notre corps. Après, s'il y a cours, c'est sûr qu'ils vont se réveiller, ils ne vont pas rater leur cours. Oui. Par contre, par rapport à l'alimentation, il faut faire très attention parce que l'alimentation impacte sur l'humeur de ces adolescents. En général, elle impacte sur nous tous, mais spécifiquement eux, puisqu'ils sont en changement. Oui. C'est-à-dire qu'il faudra revoir l'alimentation de nos ados. Il ne faut pas les laisser manger trop de viande, trop de fromage, trop de sucre aussi. Oui, bien sûr, ça impacte beaucoup. Ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Exactement, que ça soit équilibré. Après, avoir de temps en temps un petit fast-food, ça ne fait pas de mal. Mais que ça soit aigu, répété en constance, ça ne va pas les aider. La consommation excessive d'écran. On sait très bien que les adolescents ne peuvent pas se détacher de leur smartphone parce qu'ils sont en contact avec leurs amis, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la mode, et parce que sinon ils vont se sentir en marge de leur clan, tout simplement. Exactement. Alors comment ne pas tomber en conflit avec l'adolescent qui veut impérativement avoir son portable tout le temps sur lui? Est-ce qu'on doit le lui enlever surtout le soir parce que ça empêche de dormir? On l'a vu déjà hier dans l'émission parce qu'on a parlé des écrans hier, donc la lumière bleue empêche le sommeil. Donc comment gérer cette situation par rapport aux écrans? C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui enlever, par contre il faut le responsabiliser. D'accord. Là, parce que ça lui appartient. Exactement, c'est ça. Parce que si je lui enlève, entre parenthèses, je suis en train de lui dire que tu n'es pas responsable. D'accord. Tu n'es pas capable d'assumer ce téléphone. Par contre, si j'utilise la bonne méthodologie, je sais parler avec mon adolescent, je sais le responsabiliser. En l'infantilisant pas. Du tout. Voilà, surtout. Du tout. Cet adolescent s'apprête à être un adulte. Voilà. On ne va pas revenir en arrière, c'est fini. La machine, elle va en avant. C'est-à-dire que là, je lui explique réellement. Je me mets comme si j'étais avec un autre adulte. Et je lui explique les faits. C'est-à-dire que tu as... tes cours, normalement, quand tu rentres, ils ont toujours leur téléphone à eux. Oui. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Il faut s'organiser. Tu as une heure de chat avec tes amis, ton groupe, tout ce qui s'ensuit. Tu as une heure de révision. Et après, à partir de 19h, on reste en famille, ou bien on discute, ou bien on fait quelque chose, ou bien... Un moment convivial avec la famille. Exactement. Exactement. Et après, c'est l'heure d'aller au lit, c'est-à-dire pour que tu puisses te régénérer. Pas de téléphone au lit. Pas de téléphone, même pour les adultes. Ça va être compliqué, Normalement, il faut s'arrêter à partir de 18h. Oui. Pour pouvoir... 18h, c'est quand même assez tôt. Hein. Oui, 18h. Il faut s'arrêter à 18h pour pouvoir... puisqu'à partir de 19h, il y a l'hormone du sommeil qui commence à travailler. Si la lumière bleue, voilà. Exactement. Toutes ces choses-là impactent. Et sachant que quand on est connecté, on est inconscient, il y a plein de paramètres qui impactent. C'est-à-dire que, pour revenir à ce qu'on disait, il faut pouvoir le responsabiliser, le sensibiliser et lui expliquer les faits comme ils sont et le laisser faire. Parce que, en vrai, cet adolescent veut être un adulte. Par contre, il manque d'assurance.
Il manque d'accompagnement, il manque d'encouragement pour arriver et aboutir au résultat final. D'accord. Alors, voilà. Est-ce qu'il faut sanctionner un adolescent, ou entre parenthèses, on va dire punir entre parenthèses pour qu'on comprenne, mais est-ce qu'il faut sanctionner quand il y a un débordement ou, oui, et comment sûr. Il faut punir, enfin punir, c'est pour les enfants, c'est pour les plus jeunes, oui, oui. Mais comment il faut sanctionner cet adolescent pour qu'il ne se sente pas non plus comme un enfant, mm-hmm. mais qu'il connaisse un peu ses limites aussi. Je préfère, quant à moi, je préfère le mot corriger carrément. Voilà, donc, au lieu de punir ou sanctionner, comme disent les parents, comme on dit aux parents dans la phase d'enfance que l'enfant n'est pas roi, l'adolescent ne l'est pas non plus. Mm-hmm. Donc, il faut savoir, il ne faut pas être trop réticent. Mm-hmm. Je risque de le frustrer, je risque d'heurter sa sensibilité. Non, il faut vraiment le faire, mais dans les règles de l'art, il faut le faire avec l'art et la manière. Donc, le tout, c'est une question de souplesse. Punir, non, parce que punir, ça sous-entend une hiérarchie verticale, un supérieur et un subalterne. Par contre, il faut être dans l'horizontalité avec l'adolescent. Corriger, discuter, négocier surtout, et argumenter, c'est la clé. Jamais dire non sans dire pourquoi, et jamais dire fais-le sans le dire pourquoi. Il faut toujours qu'il y ait des motivations, des justifications, des arguments. Et par rapport justement à la nuisibilité de certains comportements ou certaines conduites, qu'on le veuille ou pas, tout ce qui fait plaisir est nocif. Oui. Mais il faut juste savoir reformuler. Il faut aussi respecter l'intelligence de l'adolescent, ça c'est très important, parce qu'il arrive à un moment donné que l'enfant développe son intelligence et arrive au stade hypothético-déductif, c'est-à-dire qu'il passe du réel au possible et du concret à l'abstrait. Il peut vous comprendre, il peut comprendre les notions morales et éthiques, il en a juste besoin, il a juste besoin d'apprendre et qu'on le mette sur les rails. D'accord, voilà. Très bien. Oui. Je rejoins ce qu'elle a dit, le docteur, c'est tout à fait de cette méthodologie qu'il faut s'y prendre avec ses adolescents. Voilà. D'accord. Alors, si vous aviez un dernier conseil, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, donc un dernier conseil, que ce soit aux parents, enfin, surtout aux parents, parce que je pense que les adolescents ne sont pas là en train de nous regarder, ils sont à l'école, à ce soir-ci. Donc, aux parents, pour pouvoir gérer cette transition, pour pouvoir l'accepter aussi, parce que souvent on ne l'accepte pas, nous non plus. Donc, quel est le dernier conseil que vous pouvez donner, mesdames? Docteur? Moi, je dirais, en tant que pédopsychiatre, que d'abord, ne pas dramatiser et non plus ne pas dédramatiser. Oui. Il y a des signes qu'il ne faut pas banaliser. Quand il y a une cassure avec l'état précédent de l'adolescent, mais n'ayez pas en tête cette idée farfelue et fastidieuse que l'adolescent est une bombe à retardement, qu'il va faire sa crise tôt ou tard et qu'il va finir par s'exploser. Il faut juste les accompagner et voilà, être à leur écoute. Et quand il le faut, consulter. Voilà. Il ne faut pas hésiter à consulter. Tout à fait. Dès qu'on a un petit doute, on consulte. Tout à fait. D'accord. Par excès est mieux que par défaut. Exactement. Oui. Pour ma part, je dirais qu'il faudra les écouter, c'est très important, les accompagner aussi, vivre avec eux ce changement, puisque moi, pour moi, c'est un changement, ce n'est pas une crise. Oui. Grandir avec eux, oui, en quelque aussi. Sorte parce que... En fait, les laisser aller découvrir ailleurs, c'est très important. Oui. Et surtout, si besoin, allez consulter, puisque ça va vous aider à vous, en tant que parent, à comprendre mieux votre adolescent, et puis à lui aussi de mieux se comprendre, de mieux s'affirmer et de fusionner cette relation que vous avez ensemble. Voilà. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour tous ces éclaircissements. Alors, je rappelle, Madame Khadija Boukhandarji, vous êtes coach de vie et de conscience. Oui. Merci d'avoir merci participé. À vous. Merci. Docteur Kauter Mazouz, vous êtes pédopsychiatre. Merci aussi d'avoir participé et tous ces conseils. C'est moi, c'est avec plaisir. Merci Wahida. Avec plaisir. Pour tous ces conseils beauté. Il faut prendre soin de sa peau. Exactement. C'est très important. On se dit à la semaine prochaine parce que c'est bon le week-end pour nous. Voilà, oui. Exactement, c'est le week-end pour nous. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Profitez de tant qu'ils sont tout petits, qu'ils sont là attachés à vous. Profitez au maximum. Et puis quand il faut les laisser s'envoler, laissez-les partir. Accompagnez-les de loin. Voilà, bonne journée, bon week-end, profitez un peu de cette neige, de ce froid, ça fait du bien, ça ravigote. On vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.